Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle le concept de dimension. Ça vous dit quelque chose? Dimension? Donc, on a découvert que l'espace existait, c'est essentiellement Monsieur Descartes, au XVIIIe siècle, qui découvre que pour localiser un phénomène, il faut dire où il se trouve. Et comme vous le savez sûrement, là je vais me reculer un petit peu, on va très vite découvrir ce qu'on appelle les trois dimensions, c'est-à-dire que je peux aller vers la gauche, je peux aller vers la droite en restant sur une ligne. Mais ce n'est pas la seule chose que je peux faire. Je peux marcher devant ou je peux marcher à reculons, jusqu'à une certaine limite que m'impose la matière. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Je peux aussi monter, et là je pourrais descendre, et il faudrait que je prenne l'escalier. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a la matière qui m'empêche. Donc c'est ce que vous voyez ici. La science considère la première dimension. On appelle ça techniquement l'abscisse. C'est qui répond à la question à quel droit je suis à droite, je suis à gauche d'une origine. On a une deuxième dimension qu'on appelle en science l'ordonnée, c'est-à-dire je suis devant, je suis derrière. Et une troisième dimension qu'on appelle la cote ou l'altitude, je suis à quelle hauteur, toujours par rapport à une origine. On fixe un point, et ensuite, une fois que vous avez fixé un point, vous êtes la gauche, la droite, le devant, le derrière, le dessus, le dessous. Et ça, je suppose que vous êtes tous familiers avec ça. C'est ce qu'on apprend très vite quand on est bébé. Pourquoi? Parce qu'on marche à quatre pattes et on découvre très vite que les deux premières dimensions sont très faciles. Vous avez dû remarquer qu'un bébé avec la droite, la gauche, devant, derrière, il n'a aucun problème. Le haut et le bas, il a un petit souci. C'est qu'il faut un escalier. Et quel est le problème du bébé? C'est que comme il marche à quatre pattes, l'escalier, pour lui, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Donc on fait très vite, quand on est bébé, l'expérience de l'objet bidimensionnel, des deux dimensions. C'est pour ça qu'on est toujours à l'aise avec des choses plates. Et vous le voyez bien, c'est que nos écrans sont plats. Dès qu'on veut représenter quelque chose, on le fait sur une feuille de papier qui est plate. Vous voyez qu'on a un problème avec l'altitude. Représenter en 3D, je vous rappelle que ça commence à venir. Via les ordinateurs, bien sûr, qui nous permettent. Vous avez tous vu probablement ces films qu'on vous projette avec des lunettes, où on voit en 3D. Mais surtout via cette invention qui est l'imprimante 3D. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut imprimer en 3D. Donc ça, les gens ne se rendent pas compte de la révolution que ça va être. De voir l'objet arrêter de le voir à plat, mais de le voir en volume, parce que la réalité, c'est du volume. Et le fait de projeter dans un plan, on perd toujours quelque chose. Alors le bébé, par contre, il va découvrir très vite quelque chose. C'est que pour explorer cette troisième dimension, d'abord que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que s'il monte en hauteur et qu'il ne fait pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Il va expérimenter une des premières choses qui interactionne de la physique, qui est la gravité. C'est-à-dire qu'on vit sur une planète qui nous attire vers le bas. Enfin, du moins, c'est l'interprétation qu'on en donne. Elle nous attire vers le bas, et donc si vous montez en hauteur, il y a le danger de chute. Donc vous voyez qu'il y a deux dimensions qui sont relativement fiables et sûres, parce qu'en 2D, s'il y a un obstacle, qu'est-ce qu'on fait? On le contourne. La troisième dimension amène un danger, qui est la notion de vide. C'est-à-dire que vous ne pouvez explorer la troisième dimension que si vous êtes sur la matière. Parce que si je vous enlève le support matériel qui vous permet d'être en hauteur, qu'est-ce qui se passe? Ben vous faites l'expérience du vide. Et le vide a cette caractéristique, c'est qu'une fois que
on a commencé à tomber, on ne s'arrête que lorsqu'on rencontre de nouveau de la matière. Donc c'est pour ça que la troisième dimension, elle est dangereuse. Elle est pleine de dangers, et le bébé le découvre très vite, ça s'appelle des bosses, des bleus, des blessures. Très vite, il apprend qu'il y a un problème avec cette dimension. Et c'est pour ça qu'on a toujours cette peur du vide. Si vous avez peur du vide, c'est qu'en fait, vous avez peur de cette troisième dimension. Qui s'exprime par quelque chose en physique qu'on appelle la gravité. Ça nous donne aussi un grand concept, la théorie de l'escalier, vous la connaissez ? C'est que va faire le bébé ? Pour maîtriser l'escalier, il va devoir apprendre à se relever. Et première expérience, une fois qu'il est debout, ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se casser la gueule. Donc il faut déjà qu'il maîtrise la position verticale. Et je vous rappelle que pour un être humain, c'est comme ça que ça s'est passé. Le passage de la position à quatre pattes à la position verticale, pour l'humanité, ça a eu des conséquences énormes. C'est que ça nous a obligés à nous redresser, ça a changé la forme de notre cerveau. Ça... Donc la troisième dimension, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Chaque fois que vous rajoutez une dimension, c'est très important, parce que le monde change complètement par rapport à l'ancienne vision. Donc, mon bébé se redresse. Et là, il va avoir un problème. C'est que maintenant, il est debout, et il va voir qu'il y a des gens, les parents, qui, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Hop, ils montent l'escalier, et puis ils font des tas de choses là-haut. Mais des tas de choses. Ça a l'air très intéressant, parce qu'ils sont toujours en train de monter l'escalier. Ils montent l'escalier, ils font des choses, ils redescendent, ils remontent, ils redescendent. Et le bébé, il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-haut ? Il sait que c'est intéressant. Parce que sinon, les parents ne montraient pas. Et il veut savoir, donc il va essayer de monter l'escalier, mais il va très vite comprendre qu'il a un problème parce que l'escalier il est haut et il va devoir apprendre à maîtriser ce qu'on appelle la première marche. Comment coordonner ses mouvements? Parce que c'est difficile, il faut commencer par lever un pied, pas les deux, poser, relever l'autre pied, et le bébé, lui, il faut qu'il apprenne tout ça. Par contre, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est que dès qu'il aura compris comment grimper la première marche, les autres ne posent pas de problème, parce qu'il sait comment faire, et à ce moment-là, il accède à la troisième dimension. Et ça, c'est toujours comme ça que ça se passe dans la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Mais une fois que vous l'avez maîtrisé, ce premier pas, il y a tout un nouveau domaine qui s'ouvre. Et là, on l'expérience très bien avec la théorie de l'escalier, c'est-à-dire que on peut passer des années à buter sur une direction, une dimension, et tout d'un coup, découvrir une clé qui va nous amener, et cette clé est toute petite, hein, parce que grimper une marche, c'est pas beaucoup. Mais une fois que vous savez comment grimper une marche, vous savez comment grimper N marches, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, vous pouvez explorer la troisième dimension. Donc ça, c'est les trois dimensions, je veux dire que c'est les premières choses qu'on découvre en tant qu'être humain. La plante a exactement le même problème que nous, c'est-à-dire qu'elle vit essentiellement en 2D, sa position, dans la forêt ou dans le champ, et puis il faut qu'elle apprenne à se redresser. Elle a juste un petit souci par rapport à nous, c'est qu'elle, elle est obligée de rester là où la graine a été plantée, elle n'a pas cette capacité à se déplacer. Mais par contre, elle a le même souci de vouloir maîtriser la troisième dimension, c'est-à-dire de se relever. Là, vous êtes essentiellement 18e siècle. Hein. Vers la fin du 19e siècle, début du 20e, il va y avoir une révolution dans la pensée scientifique, c'est qu'on va rajouter une quatrième dimension à l'espace. C'est-à-dire que cet espace que vous voyez autour de vous, on a l'impression qu'il est tridimensionnel, mais en fait, non, il est quadridimensionnel. Il y a une quatrième dimension. Et cette quatrième dimension, vous en avez sûrement entendu parler, la quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle le temps.
C'est-à-dire qu'avant le 19, au 19e siècle, on considère qu'il y a l'espace d'un côté et il y a le temps d'un autre côté. Et au 20e siècle, on va s'apercevoir que le temps, c'est de l'espace et que l'espace, c'est du temps. Et donc, on a une quatrième dimension qui est le temps. Alors, cette quatrième dimension, elle amène évidemment une autre notion qui est l'avant et l'après. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je suis ici ». Ça n'a pas de sens, « je suis ici ». Si vous voulez vraiment préciser l'événement, vous devez dire « je suis ici à tel moment ». Vous êtes bien dans un espace à quatre dimensions. Parce que si vous êtes ici à un an, c'est pas du tout la même chose que d'être ici à 80 ans. Que le temps a coulé et vous ne faites plus du tout les mêmes choses. Donc vous voyez que le phénomène doit se définir parce qu'il est dans l'espace et parce qu'il est dans le temps. C'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. Et là, c'est ce qu'on a découvert, c'est très récent, hein, au début du XXe siècle, c'est 1905, la théorie de la relativité d'Albert Einstein, c'était il y a à peine 110 ans. C'est tout frais. Et puis, en général, tous les livres s'arrêtent là. On ne vous parle pas de la cinquième dimension et de la sixième dimension. Or, ça, c'est des découvertes qu'on a faites aussi au début du XXe siècle. On a découvert que l'espace n'était pas à quatre dimensions, mais à six dimensions. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu ce qu'on appelle une omerta. C'est-à-dire qu'on a accepté la quatrième dimension, mais on a rejeté les deux autres. Alors que c'est la même théorie, la même, c'est la relativité d'Albert Einstein, prévoyait qu'on avait six dimensions. Mais il y a eu une censure. On nous a censuré, on nous a supprimé deux dimensions. Et comme par hasard, ce sont les deux dimensions, en fait, les plus importantes. Parce que c'est dans ces deux dimensions qu'on va comprendre ce que c'est que la vie. Et ça, vous allez le comprendre. Pourquoi ? Mais parce que quand vous vous limitez à quatre dimensions, trois spatiales, une qui est le temps, finalement, vous décrivez ce qu'on appelle la physique des objets inertes. C'est de la mécanique, c'est de l'électromagnétisme, c'est des choses qui sont inertes. Si vous voulez décrire une cellule, vous comprenez bien que espace et temps, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que quand vous dites avant, après, ça veut dire que vous devez fixer une origine au temps. Pour dire, ça c'est t égale 0, t positif, c'est après, t négatif, c'est avant. Mais il faut bien fixer le 0. Et il y a une loi de la physique qui vous dit que le zéro, c'est qui le fixe ? C'est vous. Et que tout le monde, on est en démocratie, tout le monde a le droit de fixer le zéro où il veut. C'est pas parce que moi je décide de fixer le zéro quelque part et qu'un autre fixe le zéro ailleurs. La physique vous garantit que les deux personnes décriront le même monde. Parce que la position de l'origine n'a pas d'importance. Et donc vous mettez l'origine où vous voulez. Ça ne changera pas votre monde. Et ça, vous voyez bien que c'est un problème. Parce que si je dis maintenant, je suis né le 13 août 1958, ça définit une naissance. Je suis né. Est-ce que je peux changer cette date ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on est tous nés à une date bien précise, et on n'a pas le droit de changer la date. Donc ça veut dire que dans la vie, on peut pas, la vie ne considère pas ce temps-là. Elle a un autre temps. Et si vous voulez avoir un autre temps, ça veut dire une autre dimension. Vous ne pouvez pas y couper. Vous ne pouvez pas utiliser cette dimension temporelle pour expliquer la naissance et la mort, qui sont des événements qui se produisent à un moment donné et qui est fixé. Et ce n'est pas arbitraire, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est vivant, on est vivant, une fois qu'on est mort, on est mort, on ne peut pas dire, bah non, je n'ai pas envie de mourir, je mourrai dans 20 ans. Hein, non, le corps, à un moment donné, il décide de mourir. Donc la vie a forcément besoin d'une dimension supplémentaire, et on le sait très bien, c'est que par exemple, si vous êtes un être vivant, vous avez dû sûrement faire cette expérience très troublante,
qu'à des moments, le temps vous semble abominablement long, et à d'autres moments, abominablement court, alors que quand vous regardez votre montre, c'est toujours le même temps qui s'est écoulé. Donc ça veut bien dire qu'il y a une perception que le temps est à deux facettes. La facette qu'on connaît bien, qui est ici, et une autre facette qui est liée à la vie. Alors, ce que je vais vous faire là, c'est évidemment vous plonger directement dans la physique du 21e siècle, parce que de façon paradoxale, c'est pas plus compliqué d'aller au 21e siècle que d'être au 20e. Hein. Et rajouter deux dimensions, ça veut dire quoi? C'est dire, bah, finalement, je suis ici à tel moment, mais est-ce que ça suffit à caractériser mon phénomène? La physique nous répond que non. Si je dis je suis ici à tel moment, il me manque quelque chose de crucial. C'est la cinquième dimension. L'échelle. C'est-à-dire je suis ici à tel moment, mais avec quelle taille? Alors là, ça commence. Je vois des yeux qui... En quoi la taille est importante? Ben, réfléchissez. Vous naissez. Vous faites quelle taille? 10 microns. C'est la taille de la première cellule que vous êtes. Et vous êtes cette cellule. Il y a tout dedans. Pourquoi? Parce que c'est comme l'arbre. Cette cellule va se multiplier et elle va donner un bonhomme avec une barbe, des moustaches, des lunettes ou une bonne femme avec des beaux cheveux ou... Mais au début, vous êtes cette cellule. Et vous faites 10 microns. Alors 10 microns, c'est 10⁻⁶ mètres, un millionième de mètre. C'est tout petit. Et qu'est-ce qui va se passer si vous laissez passer le temps? Vous allez grandir. Vous allez passer de 10 microns à, par exemple, 1,80 m. Allez, on va dire 2 mètres, comme ça. Non, 1 mètre, parce que 2 mètres, c'est vraiment très grand. 1 mètre. On va passer de 10 microns à 1 mètre, c'est plus simple, ça fait un facteur de 1 million. Vous allez devenir 1 million de fois plus grand. Et vous voyez que là, j'ai une autre dimension. C'est-à-dire que, quelle taille je fais? À un moment donné, et à un espace donné. Ça, c'est ce qu'on appelle la cinquième dimension. Si vous préférez, vous devez dire, est-ce que je suis petit ou est-ce que je suis grand? De la même façon que vous devez dire que je suis à droite, à gauche, devant, derrière, au bas, avant, après. Cette découverte de la cinquième dimension, elle date à peu près, enfin de la mise en œuvre, elle date à peu près de 1983. Elle a été introduite en 1905, donc avec la théorie de la relativité. Elle n'a été mise en pratique qu'en 1983. Vous avez peut-être entendu parler, de toute façon on y reviendra là-dessus, dans une formation, je crois que c'est la troisième formation, sur les ondes d'échelle. La musique. Hein? La musique. Oui, c'est les protéodies, c'est-à-dire comment on peut cultiver, faire écouter de la musique aux plantes. On joue dans cette cinquième dimension. Donc c'est pas du tout de la magie, hein, c'est de la bonne physique, on a une cinquième dimension et on s'en sert. C'est tout bête. Au lieu d'avoir une cinquième dimension et de l'ignorer. Mais en fait, on ne peut pas rester ici, il faut aller aussi vers une sixième dimension. Et cette sixième dimension, là, c'est une science qui s'appelle la physique quantique, qui nous permet de l'appréhender. C'est-à-dire que vous devez dire « je suis ici, à tel moment, et à telle échelle, à telle taille, mais il me manque quelque chose. Est-ce que je suis réel ou est-ce que je suis virtuel ?» C'est-à-dire, réel, on me voit, virtuel, on ne me voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne me voit pas que je ne suis pas là. Je suis là, mais on ne me voit pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de conséquences sur le monde observable. Je suis invisible. Et ça, c'est la sixième dimension. Réel, virtuel. Et après, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, je suis ici, en ce lieu, à tel moment, à telle échelle, et de façon réelle, où je suis ici,
à tel moment, à telle échelle et de façon virtuelle. Vous pouvez traduire ça par visible, invisible, observable, inobservable. On peut être un peu entre les deux ou... Hein ? On peut être un peu entre les deux ou c'est l'un ou l'autre ? Ah non, là c'est l'un ou l'autre. C'est pour ça que cette sixième dimension, elle est très différente des autres. C'est que elle est où vous êtes réel, où vous êtes virtuel. Et vous ne pouvez pas mélanger les deux, parce qu'il faut prendre une décision. Alors, dans cette sixième dimension, réelle, virtuelle, on trouve évidemment quelque chose qui est très important, c'est la conscience. Le virtuel, il est toujours réel, malgré tout ? Non, c'est là justement où il faut faire la distinction. Hein. On appelle réel ce qui est observable. On appelle mais j'y reviendrai, parce qu'on va en parler, évidemment, c'est très important. Puisque ce sont les deux dimensions de la vie. Est-ce que c'est pas si on ne ressent pas l'effet que c'est pas réel ? Oui, mais prenez d'autres termes si vous voulez. Oui. Observable, inobservable. Ça vous va mieux ? C'est dans les rêves ou c'est dans la vie ? Non, ça c'est dans la physique. Là je fais de la physique de base. Je vous dis comment est l'univers. Et je vous le dis sans vous mentir. C'est-à-dire, je vous parle de deux dimensions supplémentaires que, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, vous vous refusiez d'exploiter. Pourquoi ? Parce que quand vous ne savez pas que ces dimensions existent, vous les subissez. Mais à partir du moment où vous savez qu'elles existent, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Les maîtriser. Et c'est là où la théorie de l'escalier va se manifester. C'est-à-dire que pour maîtriser ces deux nouvelles dimensions, vous allez être comme un bébé. Il va falloir apprendre les premiers pas. Par contre, je finis, une fois que j'aurai fait les premiers pas, il y a un monde qui s'ouvre à moi. Et vous savez que vous avez deux libertés. Le premier pas dans l'échelle, le second pas dans la conscience, la virtualité, la réalité. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes conscient, vous savez très bien qu'il y a deux choses. Il y a ce que j'ai en tête, qui est le rêve, et il y a ce que je concrétise avec ce que j'ai en tête, qui est la matérialisation de ce que j'avais dans la tête. Oui ? Tu dis qu'il n'y en a pas d'autre. Moi, je me limite à la physique. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a des... Alors, si, il y en a d'autres, mais... Non, je ne sais pas, je demande comment tu le sais. Ah, bah là, j'ai pas voulu... C'est... Ça vous intéresse vraiment ? Parce que c'est un peu technique. Bon, je vais pas faire parce que non, sinon il faut que je mette des équations au tableau, mais je me suis promis de ne pas mettre d'équations. Donc, Émilie, me surveille. Est-ce que je vais démontrer qu'il y en a d'autres ? Oui, alors je vais vous expliquer quand même le truc. Ça, c'est la spirale qu'on avait vue l'année dernière, ça ? La spirale qu'on a vue l'année dernière, c'est possible. J'étais pas là l'année dernière. Alors, je vais vous répondre en partie. Comment on a trouvé qu'on avait quatre dimensions ? C'est ça la clé, en fait. Comment on a su que le temps était une quatrième dimension ? Eh bien pour ça, on s'est intéressé à ce que c'était que la lumière. Il y a, vous savez, en physique, il y a cette notion qu'on appelle la lumière. Vous voyez la lumière ? On s'est posé la question, c'est quoi la lumière ? Et la lumière... La lumière, c'est le 6, c'est les protéolies, c'est le 5. Alors. C'est l'histoire de... Non. Là, je suis comment on est passé de 3 à 4. Je ne suis pas là. Comment on est... Non, mais on m'explique, je vais essayer d'expliquer. Hein. Et je n'ai pas les équations, donc je suis obligé de... Donc, vous voyez tous la lumière. On s'est posé la question, quand je change de repère, que devient la vitesse de la lumière ? Pourquoi ? Parce que vous avez tous fait l'expérience d'être dans une gare, à l'arrêt, d'être dans un train. Et vous êtes dans votre train, il y a un train à côté de vous. Je pense que vous avez tous fait cette expérience. Hein. Et à un moment donné, il y a un des trains qui se met en mouvement. Lequel ? Et très souvent, moi je suis à chaque fois dérouté parce que, mais merde, je pars. Alors que non, votre train est parfaitement immobile, c'est l'autre qui part. Mais ça vous donne exactement la même sensation. Alors évidemment, le sens est inversé. Hein. C'est-à-dire que si c'est l'autre qui part, vous allez comme ça. Si c'est vous qui partez, vous allez dans la direction. Mais bon. Et quand ils sont tous les deux dans le même sens et qu'il y en a un qui recule, t'es aussi perturbé. Voilà. Vous avez aussi fait probablement cette expérience. Ça, c'est la première, qui vous montre que le mouvement est relatif.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel est notre état de mouvement. Et la deuxième, c'est le fait de doubler une voiture sur l'autoroute. Si vous la doublez dans le même sens, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est long. Si vous êtes à 90 km/h et que vous la doublez à 91 parce que vous avez peur de prendre un PV, on a des gens qui conduisent comme ça, vous savez, ils essayent de vous doubler. Mais comme ils veulent respecter la limitation de vitesse, ils se mettent à 91, 92. Et vous, vous êtes à 90, ce qui fait que... Bon, t'y vas pépé ou pas? C'est long, hein? Et donc, vous voyez que ce qui compte, c'est pas votre vitesse. C'est la vitesse relative. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites 90, 92, moins 90, et vous voyez que la réalité se passe à 2 km/h. C'est comme ça que vous l'expérimentez, à 2 km/h, en fait. Donc, on peut enlever le 90. Et si vous avez dû remarquer aussi, c'est que si par contre vous doublez quelqu'un qui a un sens inverse, si vous, vous êtes à 90 et que l'autre est à 90, la réalité, elle, est à 180. Boum ! Deux fois plus vite. Pourquoi ? Parce que les vitesses s'additionnent. Soit en se soustrayant si elles sont dans le même sens, soit en s'additionnant si elles sont en sens inverse. Et ça, c'est Einstein qui s'est posé la question, et la lumière. Elle a une certaine vitesse. Qu'est-ce qui se passe si je suis sur un rayon de lumière ? C'est-à-dire, je me déplace à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Si je dépasse un objet qui, lui, va à une certaine, je ne sais pas, il va à 100 km/h, si je suis dans le même sens, mon phénomène doit être à la vitesse de la lumière, moins 100 km/h. Si l'objet va dans l'autre sens de mon mouvement, je dois trouver la vitesse de la lumière, plus 100 km/h. Et ça, c'est ce qu'on dérive de notre expérience quotidienne. Et l'expérience a montré que non. La lumière propageait toujours à la même vitesse. C'est-à-dire que cette vitesse est une vitesse universelle, elle est toujours là. Et si vous avez un autre objet, ben la vitesse de la lumière, du phénomène, sera toujours 300 000 km par seconde. Vous ne pouvez pas arrêter la lumière. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que vous devez réécrire la physique. Et ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que finalement, le temps que vous pensiez être indépendant ne l'est pas. Alors ça, on peut le comprendre très facilement. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est une longueur parcourue sur un temps. Tout le monde comprend ça? Si je suis la lumière, cette vitesse est toujours la même. Elle ne se soustrait, elle ne s'additionne pas, elle est toujours de 300 000 km par seconde. Et c'est là où c'est critique, c'est que comme ça c'est constant, ça ne peut pas changer, c'est toujours la même valeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ici, vous voyez, vous avez une unité, kilomètre par seconde. Je ne suis pas obligé de prendre cette unité. Je peux prendre une autre unité et que ça va changer le chiffre. Mais peu importe, vous dites j'ai une certaine unité. Et cette unité, c'est en fait la cinquième dimension. Vous dites à quelle échelle vous êtes. Je ne vais pas rentrer encore à ce niveau-là. On va simplement dire qu'il faut une unité. Eh bien, vous avez tout à fait le droit de dire que mon unité, c'est 1. C'est-à-dire que vous définissez votre échelle de telle manière à ce que la vitesse de la lumière soit égale à 1. Et ce 1, ben c'est 1. Il est toujours 1, quoi qu'il arrive. Ah oui, mais alors si 1 est toujours 1, quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi? Comme une vitesse est L sur T qui est égale à 1, ça veut dire que L est égale à T. Donc le temps, c'est de l'espace, c'est du temps. Et c'est là Albert Einstein qui va formaliser ça. Lui, il a procédé un petit peu différemment. Il a pris ce qu'on appelle les équations de Maxwell, qui sont les équations de la lumière, comment elle se propage dans le vide. Et il s'est posé la question, comment je peux garder les mêmes équations si je change mon état de mouvement. Parce que la vitesse de la lumière ne peut pas changer. Et donc il a trouvé qu'il y avait une transformation, il fallait mélanger l'espace et le temps pour que la vitesse de la lumière soit toujours la même, quel que soit l'état de mouvement. Ça vous va comme explique? Et c'est comme ça qu'on a découvert la quatrième. Et comment on découvre les deux autres? C'est parce qu'on s'est posé la question, bon, je prends les équations de Maxwell et je cherche comment
la vitesse de la lumière reste invariante. Et ensuite, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre transformation qui laisse ces équations invariantes? Et oui, il y en a une autre. Et on voit que cette transformation, elle se fait dans un espace à 6 dimensions, et pas à 4. Donc c'est comme ça qu'on sait, avec ces équations dites de Maxwell, la lumière nous dit qu'on est dans un espace à 6 dimensions. Donc ce qui a été difficile après, c'est de mettre des noms sur ces dimensions. Parce que ce que vous disent les équations de Maxwell, c'est qu'il y a 6 degrés de liberté. Mais on ne vous dit pas quels sont physiquement les deux. Ça, il a fallu un peu plus de temps, et c'est pour ça qu'on a découvert que la cinquième, c'était l'échelle, petit-grand. Donc, ici, on va spécifier. Avec ça, j'explore mes trois dimensions. Je peux regarder, oui, comme ça ou comme ça. Besoin de cet outil, ça s'appelle un pied à coulisse, une règle. Alors, je voulais amener un sablier, mais j'ai oublié. Ça serait le temps. Donc, ça s'y prend le temps. Vous pouvez prendre, par exemple, votre téléphone. Ça, j'ai pas oublié mon téléphone. Horloge. Bon, si vous avez un Samsung, il doit y avoir ça aussi. Hein. Voilà. Chronomètre. Démarrer. Le temps s'écoule et je peux mesurer à gauche, avant, devant, derrière. La cinquième dimension, c'est ça. J'ai un autre outil, ça s'appelle un microscope. C'est-à-dire que la réalité, bon là je vais arrêter mon chronomètre, 23 secondes 48 pour prendre mon microscope. Ça me permet de changer l'échelle. C'est-à-dire de voir la même réalité à une autre échelle. Et comme vous avez sûrement fait l'expérience du microscope, vous avez déjà eu un microscope dans les mains? Est-ce que ça change la réalité? Ah ben un peu, hein. Le monde pourtant est le même, hein. Mais ce que vous observez est très différent. Donc je l'ai amené, pour ceux qui veulent faire joujou, c'est facile, hein. Vous prenez un objet, vous le regardez, grossi 20 ou 30, 20 ou 40 fois. Après, c'est idéal, ce serait d'avoir des microscopes plus sophistiqués, mais bon, ça coûte 20 euros à Nature et Découverte. L'association n'a pas les moyens d'investir plus que ça. Donc vous pouvez vous jouer avec, vous regardez, alors ce que vous faites Émilie par exemple, regardez un objet qui est petit à votre œil, pour voir, changer l'échelle. Et ça c'est important parce que vous avez compris que avec ce truc que je suis une cellule à 10 microns et je suis moi à 1 mètre, c'est pas parce que j'ai changé l'échelle que j'ai changé moi. Je suis le même. Et donc on a cette cinquième dimension à notre disposition. Et si on l'a, pourquoi ne pas l'exploiter? Jouer avec, comme un bébé. De la même façon qu'on a appris à jouer avec la côte, ce que vous expliquez, l'escalier, on a appris à jouer avec le temps. Alors la sixième dimension, comme je vous l'ai dit, ça j'en parlerai pas trop, parce que c'est réel, virtuel, c'est quand je parlerai plus de... C'est l'eau morphogénique, où j'introduis la dimension quantique à l'eau. Là, nous, aujourd'hui, on va rester plus dans les cinq premières dimensions. Et surtout, je vais faire un énorme effort de vous sensibiliser à cette cinquième dimension, parce qu'évidemment, c'est celle dont on parle le moins, et comme par hasard, c'est comme on en parle le moins que c'est la plus intéressante. Et que c'est là où vous allez faire beaucoup de progrès, probablement, parce que cette liberté qu'on a de changer l'échelle va vous ouvrir des perspectives. Alors, juste pour un petit bond sur cette sixième dimension, moi je l'associe à la conscience. On peut aussi l'associer, c'est l'image qui est ici. Qu'est-ce que c'est qu'un objet réel?
Bah, c'est une espèce de boulet, une petite bille, on appelle ça une particule. Qu'est-ce que c'est qu'un objet virtuel? Bah, c'est une onde. Vous voyez? Ces deux choses-là existent dans la nature. C'est-à-dire que, est-ce que je suis une boule de matière ou est-ce que je suis une onde? C'est une dimension. Bon, la seule différence par rapport aux autres, c'est qu'elle est binaire. C'est-à-dire, soit je suis une particule, soit je suis une onde. Mais bon, c'est quand même une dimension supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est... Ça vient pas de Marc-Henri qui, à tout d'un coup, se réveille un matin et dit « Ah, j'ai été visité par le Saint-Esprit et j'ai décidé que l'espace avait six dimensions. » Non, c'est quelque chose qui vient de la physique. Si vous voulez le savoir, c'est les équations de Maxwell qui sont très sérieuses. Et lorsqu'on regarde comment elles peuvent rester invariantes, on voit qu'il y a six dimensions.